un lieu. Le lycée Henri IV. Une couleur. Noir. Une matière. Le crocodile. Un détail. Une nervure. Une pièce de jour. Du crêpe. Une pièce de soir. De la mousseline. Je suis partie de mes deux dernières silhouettes du défilé en janvier de l'hiver et j'ai construit en fait tout l'été qui est arrivé. Donc je suis restée sur une silhouette où la taille était maintenue, où j'ai élargi et libéré un petit peu les hanches, mais en restant dans cette exigence de coupe qui me plaît vraiment. J'ai utilisé du coton de très très belle qualité, du tissu chemise, mais en fait c'est de l'organza, coton et soie pour les reporte-feuilles parapluies. J'ai contrasté avec des ceintures en cuir un peu gras comme ça, noir, vraiment très très beau. J'ai été vers une silhouette jour pour traiter vraiment une collection couture. Vraiment. Diane Avrilland et tout ça, voilà, complètement vogue. Et on a juste attaché les cheveux, on a vu ça comme un point d'interrogation avec un bijou. On passait la silhouette Alexis Mabille couture au scanner. Comment alors, ça serait si on partait de la tête par exemple, les cheveux? Si on part de la tête, il y a un nœud en cristal sur la tête, bijou qui dégouline comme un chandelier au-dessus du visage, donc qui bouge quand on marche comme ça, avec cette corde d'abondance de cheveux, les cheveux très tirés, donc les tempes qui remontent, qui fait un make-up du coup extrêmement chic et qui remonte les cils vers les sourcils vers le haut. Quelque chose de très mat, très beauté, des bouches mates aussi dans des tons de corail différents et une petite mouche qui est un petit cristal noir en fait. Soit les robes sont très fermées, j'aime les robes très sexy et en même temps très très fermées, ou autrement rien, parce que le bijou est sur les cheveux, donc pas de boucle d'oreille, pas de collier. La taille est très marquée, souvent avec des ceintures ou avec des enroulés de rubans ou avec des nœuds, et beaucoup d'effets de cap sur les épaules, donc avec une taille très fine. Et la hanche aussi mise en valeur, soit par des jupons ou au contraire des choses très sirènes. Et au pied, alors une sandale très très simple que j'ai fait avec mon amie Inga, qui est une ancienne mannequin. Et c'est juste deux lanières posées avec un enroulé d'un gros ruban de soie qui fait un énorme nœud sur l'arrière du pied, qui est lui-même nu, la sandale est couleur nue et juste le talon qui est en piton. Génial. Voilà. Parle-moi un peu de cette inspiration minérale, végétale, animale, tout mélangé, un monde merveilleux de Jean-Baptiste. Mais c'était un peu un promenade dans la nature. C'était déjà, bon, j'adore un livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Il y a un moment où Marguerite, elle plonge dans l'eau avec des espèces de nymphes. Ça, c'est joli ce moment. J'avais envie de ces voilettes, que c'était presque des résilles pour attraper les papillons. Les papillons, mais en fait, elle a attrapé les papillons, si c'est pas sous elle. Merci. Bah, c'est ça. Merci. C'est ça. Je vais faire rêver. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est bon.